il est très rare dans les médias. Mais pour Sylvie Vartan, la femme dont il est amoureux depuis 37 ans, il a accepté de sortir de l'ombre. Dimanche 10 octobre 2021, dans 20h30 le dimanche, Tony Scotti a répondu aux questions de Laurent Delahousse. Si est-il au Japon que les amoureux se sont rencontrés pour la première fois? Je ne devais pas faire ce voyage et puis finalement j'ai bien fait d'y aller, a ainsi confié Sylvie Vartan sur le plateau de France 2. Comme l'a indiqué le journaliste, le producteur préfère laisser la lumière à la chanteuse. J'ai passé une grande partie de ma vie dans les coulisses. La première partie de la vie, j'étais sur le devant de la scène et ensuite j'ai préféré me retirer, a ainsi confié Tony Scotti. Une nouvelle fois, à l'occasion du spectacle de Sylvie Vartan, il sera dans les coulisses. Celle qui a également partagé la vie de Johnny Hallyday sait qu'elle pourra toujours compter sur son compagnon. Il est fort. Il n'y a aucune complaisance. Moi ça me va bien parce que si est-il ce qui donne la confiance. Si est-il quelqu'un qui vous connaît parfaitement, qui connaît vos faiblesses et vos limites mais aussi ce dont vous êtes capable, a encore raconté Sylvie Vartan. Tony Scotti a travaillé avec beaucoup d'artistes devant cet éloge, Tony Scotti a tenu à rétablir une vérité, si est-il elle qui faisait déjà tout avant de me rencontrer, a-t-il ainsi lancé faisant ainsi sourire l'artiste. Je l'ai juste un peu accompagné et j'avais quelques idées. À 81 ans, il a travaillé avec de nombreux artistes comme le groupe ABBA ou encore Sylvester Stallone. Il a également longuement côtoyé l'idole des jeunes durant de nombreuses années. Les deux hommes étaient très amis et s'appelaient très régulièrement. Ils avaient une passion commune, Sylvie Vartan.